De retour dans cette émission. Alors aujourd'hui avec Alexis, eh bien on revient sur la fameuse marche pour Jésus. Alors cette marche pour Jésus, pour ceux qui n'y étaient pas, ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est une manifestation qui s'est déroulée le 29 mai. Et donc c'était une manifestation dans la rue, hein, avec de la musique, avec des marcheurs qui étaient là. Et une manifestation sans revendication, simplement l'idée de partager, l'idée de faire des rencontres, aussi de montrer cette foi qui est la nôtre. Voilà, donc de la communiquer aux autres, voilà, simplement pour s'afficher, montrer que la foi aujourd'hui c'est encore valable. Voilà, donc, et puis Alexis, tu nous as fait passer tout à l'heure eh bien, des extraits, des interviews que tu as pu réaliser, notamment auprès des personnes qui assistaient à la marche, et on a pu voir qu'il y avait vraiment une incompréhension quant au message qu'on voulait faire passer. Tout à fait. Et aussi, je le signale parce qu'on ne l'a pas beaucoup signalé tout à l'heure aussi, mais beaucoup ont insisté sur le sentiment d'exclusion. Le sentiment que ça ne les concernait pas. Il y a un jeune homme au milieu de l'interview qu'on voit par exemple qui dit c'est bien, c'est génial. Bon, moi je me sens. Je pense que c'est pour les religieux, les personnes qui sont religieuses. Moi ça ne me concerne pas. C'est bien, c'est génial, mais moi ça ne me concerne pas. Donc il y a en plus un sentiment d'exclusion qui là contredit l'idée même du témoignage qui est d'aller témoigner vers, en direction de l'autre. Donc là, il y avait aussi un problème à mon avis. Et il y a même un des mecs qui dit à un moment que la Bible dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. Et il sous-entend, enfin dans sa tournure de sa façon d'expliquer, on se demande s'ils sont pas agressés même parce qu'il dit oui, et là il montre bien que c'est pas ce qu'ils font, pas ce que je dis, mais pas ce que je fais. Compris. Oui, j'ai pas compris. Moi je me suis demandé si le mec il l'exprimait pas que agressé en fait au final. Je pense qu'il y a ça en partie. C'était pas une preuve d'amour que d'être dans la rue comme ça. Et ouais, mais enfin ça c'est la grande mode. Alors maintenant mais il faut surtout pas dire les choses parce qu'on va agresser les gens, comme si les gens n'avaient pas le droit de penser des trucs différents et qu'on était obligé de se taper sur la gueule quand on pensait différemment. C'est pour ça qu'il y a vraiment les deux mouvements. Il y a ceux qui acceptent et qui trouvent ça génial et qui sont relativistes, et il y a ceux qui détestent ça mais qui en même temps ont une vision de la vérité qui est en fait plus compatible avec le christianisme. Il y a eu quelques hypothèses par rapport à cette question. Pourquoi il y a un tel problème? Pourquoi est-ce que les chrétiens veulent affirmer quelque chose et pourquoi de l'autre côté les non-chrétiens ne le reçoivent pas? Alors il y a eu plusieurs hypothèses, dont une que je trouve aussi intéressante et qu'il faut examiner et qui va au crédit finalement aussi des organisateurs de la Marche pour Jésus, puisqu'il ne s'agit pas évidemment dans cette émission de leur taper dessus, juste de constater un petit problème. Alors il y a Philippe, un big up à Philippe, hein, puisque malheureusement il ne sera dans aucune émission puisque le micro n'a pas marché à ce moment-là. Le pauvre Philippe. Mais Philippe m'a dit quelque chose qui consistait à dire qu'au fond le message chrétien, il suffit de venir vouloir l'écouter et il est accessible, mais beaucoup d'athées sont de mauvaise foi. Et au fond le discours de Philippe n'est pas étranger au discours chrétien habituel, puisque au fond c'est ce que dit déjà Paul dans Romains 1, 18-21, il suffit d'être rationnel pour découvrir Dieu, et c'est ce qui est dit également par exemple, on voit très clairement ça dans Actes 17, quand Paul va à Athènes et va parler aux philosophes, beaucoup de philosophes, même si certains vont se convertir et vont connaître Dieu, beaucoup d'autres vont dire, bon écoute, on t'entendra parler une autre fois, nous ça nous intéresse pas. Et là ça montre qu'il y a un aspect de mauvaise foi. Et donc Philippe, c'était son hypothèse à lui, c'est qu'au fond, beaucoup d'athées font preuve de mauvaise foi. Donc c'est une hypothèse. Une autre hypothèse qui est celle de la jeune fille à la fin du reportage, eh bien c'est que, au fond, le problème, c'est qu'il n'y a pas de revendication, il n'y a pas d'explication, c'est juste une expression de foi. On ne peut juste que se baser sur l'apparence et par conséquent, on ne peut rien comprendre. Il n'y a pas d'explication. On exprimerait mal ce qu'on pense. Alors que cette fille, pour précision, est une personne qui a été invitée par un chrétien à participer à cette marche. Elle est athée, mais elle est quand même venue, elle a écouté, elle est restée tout le long de cette marche, donc elle n'a pas été de mauvaise volonté à la base, et elle a essayé de comprendre ce qui se passait sans jamais vraiment comprendre. Elle a donc été obligée de demander à la personne qui l'avait invitée, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Oui. Donc vraiment là on a deux hypothèses. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un peu les deux choses qu'on peut retrouver habituellement dans les discussions. Et moi j'avoue que souvent je retrouve ce point de vue là de personnes qui n'y connaissent strictement rien. Et tu vois, c'est déjà passé au placard, tu vois. Et c'est ça qui est un peu égoïste aussi, et puis nombriliste pour nous Français, c'est que c'est réglé, cette question de la foi, elle est réglée. Elle est loin derrière nous, le christianisme c'est mort, ça n'existe pas. Et donc ça c'est quelque chose qu'en France, si on ne pense pas ça, c'est que soit tu n'as pas fait d'études, soit tu as eu un problème psychologique fort et du coup ça t'a aidé à t'en sortir et tant mieux pour toi, c'est bon mon garçon, continue là-dedans si ça te fait du bien. Et moi c'est ça que... C'est totalement ringard, non? Voilà, exactement. Et les gens ont plein de préjugés en fait. T'as dû être confronté à des préjugés en fait. Absolument. Voilà, alors que on peut plus être saint d'esprit entre guillemets et penser ça. Alors moi non mais c'est vrai. Ah bon? Mais on y croit pas, ça c'est, je dirais que c'est une question. Mais après qu'on n'arrive plus à en discuter.
sans passer par ces préjugés-là. Tout de suite, il y a une levée de bouclier extraordinaire. Hein, et puis, je pense que, je ne sais pas, chers auditeurs, ce que vous pensez en nous écoutant. Mais, écrivez Non, mais j'imagine que t'entends le nom « Ah, Jésus, machin », avec de la musique dans la rue. Hop, levée de bouclier, tout de suite, c'est négatif. Mmh. Alors que tu vois une manifestation à la mode, écologie, par exemple. Ah, tout de suite, tu vas... Ouais, non, mais c'est très bien l'écologie, c'est très bien. Mais tu vois, tu n'auras pas cette attitude... dans le cadre du préjugé, à tout de suite lever ton bouclier avant de chercher à comprendre vraiment ce qui est dit, ce qui est pensé. Et parce qu'aujourd'hui, si on demande à la plupart des gens pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas, enfin c'est mon humble avis en tout cas, ils sont incapables de nous l'expliquer. Incapables. Mmh. Je le pense. Pourquoi est-ce qu'ils pensent que le christianisme est faux? Mmh. Parce qu'ils ne connaissent pas le christianisme. Alors comment est-ce qu'ils peuvent savoir si c'est faux ou si c'est vrai? Ils ne l'ont même pas appréhendé intellectuellement, hein, c'est ce que j'essaye de dire. Pourquoi? C'est parce qu'on peut vivre sans, tout simplement, quoi. Hein. Je pense qu'il y a une catégorie de personnes qui... Oui, mais on peut vivre sans l'électricité, c'est pas pour ça que l'électricité est pas bien, quoi. Voilà, bah oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a des personnes qui d'instinct se posent des questions sur Dieu, parce que c'est dans leur nature, leur éducation, leur je sais pas quoi. Et il y a d'autres personnes qui ne se posent pas de questions et qui vivent très bien sans... Moi, j'ai du mal à l'imaginer, mais je sais que ça existe. Oui, il y a eu beaucoup de cas dans il y a eu beaucoup de cas qui effectivement étaient dans cette indifférence, c'est-à-dire que ça, au fond, ça ne les concerne pas. Oui, oui, je vois bien. Ils s'en foutent parce qu'ils arrivent bien à vivre sans. Et puis voilà. Mais ça, je comprends très bien. Je comprends très bien. Alors, il y a une troisième hypothèse que j'aimerais mettre également sur la table, qui est celle de Valérie. Que j'ai rencontré au tout début Val de la marche pour les intimes. Voilà, Val, que j'ai rencontré au tout début de la marche pour Jésus, et elle plaçait plutôt le débat sur un plan spirituel. C'est-à-dire qu'elle disait, on sait très bien, nous chrétiens, que c'est pas le fait de louer dans la rue, que c'est le fait de parler ou quoi que ce soit qui fonctionnera. Et ça, c'est vrai, elle a raison. C'est ni l'argumentation qui va vraiment toucher quelqu'un. Bon, c'est vrai que ça peut y participer. On a le cas de Justin le Martyr, et sur la table, il y a le cas de moi-même. Mais c'est pas ça qui va faire le coup final. C'est pas le fait d'entendre quelqu'un louer, c'est pas le fait d'argumenter. Ni rien, tout ça qui va. C'est vraiment quelque chose de spirituel, c'est cette rencontre avec Jésus qui va faire la différence. Et donc là, on a l'hypothèse de Valérie, qu'on pourrait retrouver finalement opposée, dans la même lignée que celle de Jean finalement. Il y a les gens qui ont connu Jésus et qui donc peuvent savoir de quoi il s'agit, et il y a les gens qui ne l'ont pas connu et qui donc sont forcément opposés. Alors c'est une hypothèse qui est un peu malsaine, en ce sens-là que justement c'est vraiment très antinomique, malsaine, j'en sais rien, enfin, je lance des hypothèses, hein, c'est tout. Je n'affirme aucune idée. Hein. Mais il y a cette hypothèse qu'il y a d'un côté le Christ et finalement d'un autre côté l'antéchrist, hein, si vous lisez par exemple les lettres de Jean. Donc c'est un petit peu malsain quand même. Mais ça place le débat sur d'un point de vue spirituel. Maintenant, évidemment, ça dédouane les organisateurs de faire le moindre effort pour exprimer quelque chose. Et le moindre effort, puisqu'ils se disent c'est Dieu qui va tout faire finalement. Vous voyez quel est le problème de cette hypothèse ? Oui, je vois. Oui, effectivement. Bon, après, voilà, on ne va pas refaire le monde ce soir. Une chose est sûre, pour avoir déjà été plusieurs fois à la marche pour Jésus, malheureusement, je n'y étais pas cette année, eh bien, ça reste une manifestation sympathique. Où, ma foi, oui, tout à fait, oui. On peut en penser excellente. Ce qu'on veut de l'extérieur, il y a quand même beaucoup de joie qui s'en dégage, enfin pour avoir été tout du long. Oui, mais, ça, mais même les observateurs sont d'accord, voilà. Tout le monde est d'accord, c'est juste sur le message qu'il y a... Voilà, exactement. Ouais. Donc quand même, enfin, on a parlé de ce qui était incompris, il y avait quand même plein de points positifs, hein, oui, rappelons-le tout de même. Mais il s'agit de parfaire. Hein. Voilà, exactement. C'est ça le but. Voilà. Alexis veut donner la touche finale. Une bonne communication. Voilà, voilà. La communication. Non, c'est vrai, allez, je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale et puis on va clore le sujet pour aujourd'hui parce qu'on en a déjà bien discuté, mais c'était un plaisir d'échanger sur ces questions-là et puis aussi de voir la réaction des gens. C'est vraiment très intéressant. Hein. Donc voilà, merci aussi à toutes ces personnes qui ont été interviewées et qui ont donné leur avis. Hein, ça nous intéresse beaucoup. Très bien, allez, on s'écoute ce titre. Longtemps marché, esclave de mes désirs, de mes pensées. Mais quand tu m'as trouvé, ton amour m'a complètement chaviré. Ce monde est à l'envers, mais moi je m'en vais droit vers mon destin. Ce monde court à sa fin, mais moi je suis bien au creux de tes mains. Même si tout semble noir.